Et c'est le ministre chargé des Affaires européennes qui est notre invité ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Avant d'évoquer ensemble le couple franco-allemand, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce scénario fiction évoqué par Emmanuel Faux juste avant la pub. Petit rappel peut-être pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes. En gros, ce serait une Europe où ce ne serait plus Bruxelles mais Vienne la capitale, où ce n'est plus le couple franco-allemand mais l'Allemagne le moteur, et où certains pays comme le Royaume-Uni se seraient retirés avec une politique budgétaire commune. L'Europe pourrait-elle ressembler à ça ? Écoutez, on peut toujours, après une crise, imaginer une nouvelle Europe. Et moi aussi, j'imagine une nouvelle Europe. Une Europe dans laquelle les pays se seraient désendettés, dans laquelle l'intégration européenne retrouve la croissance, mais en même temps, chaque pays reste souverain. Et puis une Europe aussi dans laquelle la monnaie euro reste la monnaie la plus forte, et qui, en même temps, protège l'ensemble des citoyens avec des frontières sûres et avec une production européenne qui a un label européen. C'est un label européen, mais dans ce schéma-là, Jean-Leonetti, ce serait l'Allemagne le moteur. Et c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Absolument, qu'il y a un moteur. Le moteur aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est le moteur franco-allemand. Je vous pose justement la question, Jean-Leonetti, parce qu'Angela Merkel sera lundi à l'Elysée. On imagine que tout le week-end, la liaison téléphonique entre Paris et Berlin va fonctionner à plein régime. Mais la France ne fait-elle pas semblant de discuter avec l'Allemagne, de prendre des décisions avec elle, alors qu'au fond, on a l'impression qu'elle est obligée de suivre le desiderata d'Angela Merkel? Vous savez, quand je vais en Allemagne et quand je sors à une conférence de presse avec mon homologue allemand, on me pose toujours la question, comment ça se fait qu'Angela Merkel suit toujours Nicolas Sarkozy dans ses propositions? Et il me cite le Fonds européen de stabilité financière, il me cite l'aide à la Grèce, il me cite le gouvernement économique européen. C'est des idées françaises. Eh bien, le couple franco-allemand, au départ, effectivement, il y a une volonté commune, mais il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et puis à la fin, il y a toujours un compromis. Et ce compromis, eh bien, ça veut dire qu'il y a un pas d'un côté et un pas de l'autre qui a été fait. Et c'est ça qui est le moteur de l'Europe. Alors lundi, on doit dessiner les contours d'un nouveau traité européen. Pour vous, Jean Leonetti, c'est quoi la première chose à réformer? Le traité, il doit apporter plus de discipline. Et je crois que là-dessus, nous sommes d'accord avec nos amis allemands. Parce que s'il y avait eu plus de discipline, très probablement un certain nombre de pays ne se seraient pas endettés jusqu'au point où ils se sont endettés. Et puis en même temps, plus de solidarité, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas, quand un des pays est en difficulté comme la Grèce, eh bien on lui porte secours. Et cette discipline, elle permet justement la solidarité. Et discipline et solidarité, ça amène la croissance, parce que l'Europe de demain, c'est une Europe de croissance. Un mot sur votre mouvement, Jean Leonetti. Après la droite populaire de Lionel Lucas et Thierry Mariani, après la droite sociale de Laurent Wauquiez, voici la droite humaniste. On avait connu il y a quelques années la gauche plurielle, donc l'UMP de 2012, c'est la droite plurielle ? C'est surtout la droite et le centre qui acceptent simplement l'idée de la diversité, parce que la diversité, c'est pas la désunion, c'est au contraire la force de l'unité, la richesse. Donc dans cette richesse de diversité, eh bien oui, les humanistes, ils ont envie de dire que ils veulent. C'est quoi vos propositions? Vous devrez rendre la semaine prochaine des propositions à Jean-François Copé et Bruno Le Maire. Ce seront quoi vos propositions? Écoutez, je vais vous en donner une sur l'Europe. On veut un parlement de la zone euro parce que l'Europe doit avancer, mais en même temps, elle doit être démocratique et doit avoir un parlement. Et puis sur le plan social ou sur le plan humain, c'est une fiscalité plus juste. Et par exemple, personne ne peut éviter de payer de l'impôt avec des niches fiscales. Et au minimum, il y a un plancher fiscal où tout le monde, même les plus riches, ne peuvent échapper à l'impôt. Merci Jean Leonetti, ministre chargé des Affaires européennes. Vous étiez notre invité ce matin sur Europe 1. Merci à vous ce matin sur Europe 1.